I fuck my bitch when I'm bored. Rich from the poor. Drunk high, stumbling off the shits and record. Smooth nigga, even when I miss, I'ma score. La longueur. Comment ça va la famille? On est en temps pour une nouvelle vidéo. On est toujours avec Franco, la longueur, tu connais. On allait chercher le tir qu'on utilisait dans une autre ère pour donner à notre joueur un nouvel air. La rime est riche, appelle-moi Franco Baudelaire. On espère que le joueur légèrement plus amélioré, avec un nouveau tir et tous ses badges de finition, va pouvoir faire le taf face à Yanis Antetokounmpo, le gros grec, le grand grec, le grec bondissant. On va bien vérifier comme d'hab, à la fin 12 minutes, y'a rien. Et là, notre calendrier, c'est Yanis, Kevin Durant, Yanis. Ça blague pas les trois prochains matchs, là. Ah, d'ailleurs, j'ai toujours pas regardé s'ils m'ont mis titulaire. Est-ce qu'ils m'ont enfin mis titulaire ou ils sont encore dans le... C'est même pas là. Où est-ce que je vais? Mes minutes. Je suis sixième homme. Donc, au pire des cas, si tout est logique, même si je suis pas titulaire à ce match-là, qu'on réaffrontera les Bucks, donc dans deux matchs, je devrais être titulaire, quand même. Ils vont pas me laisser sur le banc jusqu'en 2025, quand même. On va enfin jouer. Ce match-là, ça doit être le dernier ou l'avant-dernier sur le banc, en tout cas, j'espère, parce que... Ils prennent leur time, là. Comment tu laisses ton finition aussi longtemps sur le banc, là? C'est quoi ce comportement? Comment tu veux qu'Artogo arrive à destination si tu le mets pas sur la piste de décollage? Où est la logique? Je ne sais pas. Where is the logic, bro? Where is it? Do you know where the logic is? Do you know where Brian is? I think Brian is in the kitchen. Autoporteur qui prend la place qui nous est destinée, la place qui nous revient de droit, ça me plaît pas. Si ça continue, je vais aller le dénoncer sur un truc qu'il a jamais fait, genre... Ouais, fumer de la weed dans le vestiaire, changez-le, mettez-moi à sa place. C'est pas autoporteur, c'est autoporté. C'est pas moi qui défends Yanis, ok? Je vais lier fort. Moi, je défends un numéro 25, je sais même pas ce que c'est. Son blaze. On dirait qu'il y a marqué Togo sur son maillot de loin. Todd, ok. Ah, ça c'est pas ouf, ok. 14-5, oula, commence pas bien tout ça. Oula, il a failli grailler mon frère. Allez, monte ça. Numéro 34. Oh là là, on commence vraiment pas bien. Ce n'est pas bon. Pourquoi j'ai laissé tout seul Todd? Je voulais aller défendre l'autre, mais heureusement il m'a pas puni. Let's go. Allez, premier poignet. Easy, easy. Technicité, agir sur ses pieds comme une ballerine. Et Yanis, mes frères, calme-toi. Calme-toi, Yanis. Y'a quoi? Je suis Kiblo, c'est pas bon ça, j'aime pas ça. Aïe, 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 ça se passe mal, ça se passe mal. Allez, let's go. Un petit 3 points pour relancer tout ça là, parce que ça partait mal, vraiment. D'ailleurs, ça part toujours mal, hein, 9 points d'écart. Oula, oula, je peux aider? J'ai aidé, sors de là. Bah alors, donne-moi ça. Allez. Magnifiquement calé, t'es tout seul. Oh là là, toi aussi. Monte ça, Carter. J'aurais bien aimé la noix, mais faut pas trop en demander pour l'instant. On galère, on dirait. On galère vraiment. Ah, Yanis est plus sur le terrain. Ça, c'est lourd. Mais. Bah, frère, mais s'il y a plus Yanis, mais qu'on se prend des lay-up à 2 à l'heure comme ça, frère. Ça change air. Oh là là, on se fait ouvrir. On se fait ouvrir. Allez, let's go. Je sais pas pourquoi tu sautes, Williams. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi t'es sur le terrain parce que si je me rappelle bien, ce joueur a dit qu'il avait pris sa retraite. Ils l'ont quand même mis dans le jeu. Je crois qu'ils se feraient expulser quand ils feront les mises à jour d'effectifs et tout, mais... C'est vrai que la saison NBA était un peu bizarre. Elle vient de se terminer là maintenant, alors qu'on est en octobre. On devrait être en train d'attendre la nouvelle là. Au lieu de ça, elle vient de finir. Normalement, dans 2 semaines là, ça devrait être le début de la saison NBA. S'il n'y avait pas eu un virus étrange venu de la Chine... Allez, on va essayer de tout faire pour ramener la team dans le game. Marvin Williams continue à essayer de me bâcher comme ça quand je vais dunker. Ils t'ont peut-être pas mis à la retraite, mais moi je vais le faire. Par contre... Faut arrêter de se prendre des paniers de heal comme si c'était Kyrie Irving, hein. Arrêtez-le. 3 sur 3, frère. C'est 3 paniers, c'est comme s'il y avait son père qui défendait. Oh là là, ouais. Et Cobb, numéro 1 draft, qui veut même pas aider lui non plus. On est où? Ouais, c'est qui lui? C'est qui? Pourquoi il m'a mis un layup sur le crâne comme ça? C'est qui? C'est qui Todd? Allez. Poignée d'escroc, mais... On essaie de garder la team dans le game autant qu'on peut. Shipper, arrête de shipper. Allez, rattrape ça, merci. Zéro passe. Oh, il. Quel rat, mais quel rat. Allez, on a le takeover, ça va aider. Pour les 44 dernières secondes, j'avais pas vu qu'il restait aussi peu de temps. Oh là là, frère, oh là là. On est en galère. Appelez Jack Sparrow. Allez, on monte. Ouh, je crois que ça allait pas passer, mais y'a rien. Le takeover a fait le taf. On s'est infiltré dans toute la défense. À cette heure-ci, j'ai l'impression d'être LeBron avec les Cavs, là. Oh, 2 secondes. Ah, y'a pas le temps, on tente. Ouf, dommage. Bon, bah, 10 points d'écart. Hein. J'espère vraiment que ça va pas dégénérer et que je vais pouvoir jouer la suite, là. Parce que si je sors maintenant, je sais qu'on va prendre un gros écart. C'est important, l'eau. Dans 50 ans, il n'y en aura plus.
Ouf, j'espérais une petite faute. Et je savais même pas si ça allait rentrer, mais heureusement qu'on est chaud là. Enfin, quelqu'un arrête Hill, c'est incroyable. Oh, je vais sur le banc à 23-34. Oh, c'est pas bon, oh, c'est pas bon, c'est pas bon. Ok, 10 points. 5 minutes pour essayer de rapprocher un peu le score, ça va. Même 9 points, merci White. Mais bon, la seule diff, par rapport à quand on était sur le terrain il y a pas longtemps, c'est que maintenant, il y a Giannis Antetokounmpo, qui ne sera pas le premier de sa fratrie à être champion NBA. C'est son petit frère qui est champion en premier avec les Lakers. Et même s'il a pas joué ne serait-ce qu'une moitié de seconde dans les playoffs, il est quand même champion. Ouf. Enfin, quoique peut-être qu'il est rentré à la fin d'un match à un moment et je suis juste pas au courant, mais en tout cas, s'il a joué, c'est vraiment pas longtemps. Hein. Je suis même pas sûr qu'il est rentré une seconde. En parlant de pas jouer, Kelly Olynyk non plus dans le dernier match des finales NBA, là, le joueur du Heat, il est quasiment pas rentré. Enfin, il est rentré vers la fin du match, mais c'était tellement bête du coach du Heat parce que au moment où il est rentré, tout de suite la situation elle a commencé à basculer parce que le jeu il était plus écarté parce que c'était un pire de tirer un peu. Et Adebayo il galérait un petit peu et comme Adebayo il avait pas de tir, Davis pouvait faire du sale et bâcher tout le monde en attendant sous le panier. Si j'avais été le coach du Heat, j'aurais fait rentrer Olynyk et crois-moi que ça serait pas passé comme ça s'est passé là. Je dis pas que le Heat aurait gagné, mais en tout cas ils s'auraient pas fait ouvrir comme ils se sont fait complètement balayer comme jamais. C'était archi bête. La dernière fois qu'Olynyk avait joué, il avait mis genre 24 points. Il avait fait plutôt un bon match. Un des games que le Heat a gagné, bam, a pas joué une seconde vu qu'il était blessé. Et c'était Olynyk et pourtant, ils ont quand même gagné. Enfin bref, je suis pas le coach du Heat, hein. C'est son affaire, c'est son dos. Et ça, c'est mon ballon. Allez, hop. Merci. Ah hey, mais les frères, aidez un peu. Aidez un tout petit peu. Juste un peu. Mais ça va, le score, il est mieux que tout à l'heure. J'avais même pas remarqué là, on s'est bien rapproché, ça me plaît. Parfait. 48-52, j'aime. Eh, il continue, frère. George Hill la menace. Viens là, toi. Ah, y'a personne qui est venu. Il a même pas voulu sauter, frère. Il a attendu sous le poignet en mode bon, bah, tu préfères la remise en jeu. Dunk bien, mon pote. Oh là là, frère. C'est ça qu'on veut. Va dunker, pourquoi il s'arrête, mon joueur? Je voulais pas m'arrêter. Quel sabotage du jeu. Oh, il se prend trop derrière. Oh, j'ai la haine. Oh, j'ai la haine. Oh, la bascule, frère. Oh non, frère. Oh oui, récupère. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. En plus, le pivot, il a même pas essayé de la prendre. Oh, c'est incroyable. Il a failli le mettre. Jury vient de... Non, j'ai même pas envie de penser à s'il l'avait mis, gros. Allez, Zach, tout seul. Merci. Toi, je peux te faire confiance, Zach. Allez, tout seul, il est tout seul. Ah bah, si tu veux me la faire à moi, frère, pas de souci. Si t'aimes pas Cobb, je profite. Oh, c'est vert, let's go. Let's go, ouais, le tir sucré c'était vraiment un bon choix. Il a changé la donne. C'est le tir parfait pour Stellier. Il est vraiment confirmé sucré. Bel éco-diabète. Bon, on a 3 points d'écart. On est bien, en vrai on est bien. Ça pourrait être bien pire. Ça va se jouer en deuxième mi-temps. Oh là là, frère. Qu'il défend lui. Et one, bien sûr. C'est ça. Mais oh là là, même si je vais pas chercher un rebond, c'est comme si je l'avais pas, gros. Je pensais qu'il allait l'avoir easy, j'ai même pas essayé de le choper. Et bah non, je peux toujours rêver quoi. Oh là 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 là, ça tourne mal, ça tourne mal. Oh mes frères, ils renversent des gens. C'est quoi ça mon frère? C'est pas un basketteur, c'est un autobus mon frère. C'est très grave ce qui se passe. On a un duel entre Giannis et l'équipe des Bucks. Et la longueur et... Eh l'équipe des Bulls, mais bon ils font... C'est vite dit de ouf l'équipe des Boosts. Ouais frère, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine frère. Je respire une seconde, je cligne des yeux et le mec il est au poignet. Le temps que j'essaie de venir pour essayer de le gêner, c'est dead. Bah, ça va être la même pour toi Giannis. Ok, je dis ça et je rate. Magnifique. La prochaine fois ça part, j'annonce. T'auras pas de la chance deux fois. Monsieur Antetokounmpo. Ok bah de l'autre côté frère. Let's go. Et on a un duel d'animaux frère. Il y a un duel d'avions qui se passe là. Par contre ce qui me vénère c'est qu'au niveau du score là, on n'a pas un gros duel justement. Tu vois, quand je dis, il n'y a pas que Giannis, c'est Giannis et l'équipe des Bucks, parce que t'as des mecs comme George Hill qui tue tout le monde. Nous, moi, mon équipe, il n'y a que moi, il n'y a personne d'autre. Vraiment personne d'autre. Contente ? Dommage. Ça, c'est pas ce qu'on veut. Oh là 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 là. Ça a dégénéré. Oh, pour finir le troisième carton. Au milieu de trois joueurs, allez hop. Bon. 85-97, là. C'est vraiment pas l'écart qu'on voulait, en vrai de vrai. Voyons ce qui se passe en quatrième, hein. Allez, quatrième carton, let's go. Eh, comment se débrouiller? Ah, oh, j'en ai marre de le voir faire ses bails là. Dommage que je le défends pas.
Oh non, mais oh là là, oh là là, oh là là. Je veux juste arrêter de souffrir, frère, c'est tout ce que je veux. Est-ce que la souffrance peut s'arrêter? Eh, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Un petit layup tranquille, mais bon, ça nous met pas super bien ça. Ça nous met pas dans une meilleure situation, parce qu'il va marquer de l'autre côté, dans tous les cas. Ah, on est sur le banc? Ok, c'est peut-être sauvable, on a moins de temps, mais l'écart est pas incroyable. Enfin, il est pas ouf, mais t'as capté. Il est rattrapable. Ou pas. Eh, s'il vous plaît, marquez, ça ne perd sur le chemin. Oh mon dieu, oh je le savais, pourquoi j'avais un pressentiment? Pourquoi j'étais obligé de le supplier de marquer un layup tout seul? Je le savais. On lui répond à Yanis, on lui répond de fou. Mais bon, on n'a pas beaucoup de crédit du coup. On peut pas répondre pendant tout le match malheureusement. Là tu vois, j'étais là, je kifferais pouvoir le défendre, dommage. Allez Dunn, merci Dunn. Est-ce que c'est fini? Il y a 10 points, c'est faisable, en vrai c'est faisable. C'est pas encore fini. Shipper, oh, arrête oh, de shipper. S'il te plaît, oh oui, let's go. Tu connais. Moi, j'ai eu peur quand j'ai vu le grand corps de Yanis arriver là. Ouh là là. Oh, mais let's go. Allez. Zach. Pas de dinguerie. Mais ça, c'est une dinguerie, par exemple. Bruh. Oh, mon Dieu. Merci. Ouh. 6 points. Je suis là. Je sais que je suis là. Let's go. Il a attrapé. Oh, s'il me l'a balancé direct, c'était magnifique. Balance. C'est un 3. Et ça rentre pas. Oh, j'étais même pas sûr si c'était un 3 ou pas. J'aurais même pas dû calculer et me concentrer sur le tir. Ah, j'ai le seum. Ah, ce 3, il va coûter cher, je le sens déjà. Allez, frère. C'est le moment, les frères. Allez. On sait ce qui se passe. C'est Yanis, hein, mais bon. Je peux pas trop aider parce qu'il y a Chris Middleton sur moi. Je peux pas trop le quitter. C'est un shooter. Ok, parfait. T'es cover 6 points. C'est le moment. Je dis bien, c'est le moment. 6 points d'écart. Le takeover est prêt. Ne laissez pas Antetokounmpo faire des dingueries à la Antetokounmpo. Ah, j'ai voulu le gêner, mais il est passé comme un bulldozer. Eh, j'ai vraiment le seum de ne pas pouvoir le défendre. And one. Ah, toujours 6 points. Ces fameux 6 points-là. Oh là là, mes frères. T'as même Bledsoe qui met des dingueries, frère. Moi, j'ai Zach LaVine avec moi. Il est en contre-attaque. Il prend un tir mi-distance bizarre qui brique comme Danny Green, frère. Vraiment que de la souffrance pour moi. Ah, que de la souffrance. Je pensais tellement ça allait passer easy, frère. Son grand corps télescopique là qui vient choper ça, son grand corps dépliable. Je crois que ça me paraît mort à une minute, ouais, c'est dead. Oh, j'ai le seum. C'est une défaite. Heureusement, on vous rejoue bientôt. Hein. J'espère que je serai titulaire à ce moment-là parce que c'est trop. Bon, bah, c'est la victoire pour les Bucks. Hein. Ils l'ont emporté. On s'est bien battu, mais. Enfin, la longueur s'est bien battue. Après, le reste des Bulls. C'était vite fait. On les rejoue dans deux matchs. On va essayer de prendre notre revanche. Hein. C'est ça le plan. Revanche fort. Bon, sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est enfoiré Giannis. Hein. Ah, merci d'être là. Pas d'éther. À la prochaine. I'm on my say shit. I'm trying to make $1 million. Keep a hood while crossing over on some AI shit.